J'ai attaché la planche en laisse pour pas qu'elle se... pour qu'elle se barre. Donc là, on va faire la bolo. Ok. Ils sont sur planche exactement. Petite dédicace à Casté qui nous a fait cette belle planche. Attends, lui il n'est pas coupé, lui il a été coupé, on va le finir. Les vraies lasagnes, tu veux dire? Ne repartons pas sur ce débat, il y en a qui préfèrent avec, même si voilà la béchamel. Regardez la date de création de la béchamel et de la lasagne. On en repart. Hein. Vous allez manger... Attends, non, 13h, vous avez mangé ou pas encore? Vous allez manger quoi? Est-ce que ça brunch? Au début, je voulais faire un brunch. Après, j'ai dit, ouais, la flemme. Je pense qu'il y a assez le demi qui est là. On va regarder. Carotte. Sandwich au saumon fumé, je viens de terminer le petit-déj. Ça a mangé quoi au petit-déj? Faut que je cuisine salade d'endives, pommes de terre, noix, poulet. Oui, on aime bien ça. Quel est, selon vous, on n'a jamais parlé de ça, parce que comme je ne mange pas de petit-déj, on n'en parle pas souvent. Quel est pour vous la meilleure chose au petit-déj? Pour vous. Pour vous. Pour vous. Genre, tu te lèves, tu manges ça au petit déj, t'es refait. Flemme donc, sandwich, merguez, tomate, oignon. Quelle sauce? Des tripes. Moi, la part de pizza du lendemain, la part de pizza du lendemain, elle me carie de ouf. Préporum. Cracotte choco chaud. Fiwa, il a dit quoi? Des crêpes au rhum. Doudi! C'est les 1 an de sub. C'est les 1 an de sub. Déjà 1 an de sub. Incroyable. Merci Doudi. Comment ça va? Équipe, équipe. Il y a des nouvelles photos qui vont arriver, hein, Skip, hein? Chocolat chaud, jus d'orange, céréales. Je déjeune jamais, mais à vrai dire, biscotte Nutella trempée dans du lait froid. Ça me dégoûte ce que vous me dites. Bacon, œuf, non, lendemain, croque monsieur froid 100%. La pizza froide. Et toi, Doudi, tu manges quoi le matin au petit-déj? C'est quoi ton truc que t'aimes trop bouffer au petit-déj? On a bon goût. Ouais, vous avez des goûts... Ouais, je sais pas. Salade grecque, pâte à concombre le matin. Le matin, déjà, c'est salé. Salé ou rien. Il n'y a pas de chocolat chaud, de nanani. Bacon, œuf brouillé, pizza. Ouais, mais moi non plus, je prends pas de petit-déj. Mais si tu devais prendre un petit-déj.
Nananas, quoi? Non, mais commence pas, Chachachou, commence pas. Avec ou sans béchamel? Ah, mais putain, mais qui a fait? J'avais même pas vu le sondage. Mais c'est pas parce que vous mettez de la béchamel que c'est meilleur, sachez-le. De l'ail. On va sortir notre bœuf. J'ai combien là? J'ai 500 grammes, je crois. Ouais, 470. Ok. Et comme les tomates, elles sont pas ouf en ce moment, c'est plus la saison. Petite boîte de tomates pelées. Et on se retrouve côté cuisson. Prenons la petite casserole. Et j'arrive. Hop là. Je vais la basculer ici après. Mais là, c'est juste que, comme le feu est le plus puissant là. Le temps, c'est comme il faut saisir la viande et tout ça. De l'huile. Si j'en ai sous la main, je rajoute quel champignon dans la farce des lasagnes? J'en ai un peu, mais j'en ai besoin. Mais c'est pas. C'est une très bonne idée. Œufs brouillés. Des vrais œufs brouillés, pas des omelettes. Brouillés. Four chaud. J'ai envoyé mon petit cookie. Papier sulfu. J'ai failli perdre mon pied. J'ai perdu mon badge first. Bah, c'est normal que t'es pas sub, Lalio. Non? Nani? Équipe. Œufs brouillés, faut les surveiller comme le lait sur le feu. Il faut que ça reste crémeux. Voilà, exactement. Non mais je suis content. Les gens, ils savent. Les gens de ma commune savent. Salut Jean-Lucien. Marseille bébé, tout tout tout. Marseille bébé, ouh ouh. Marseille bébé, ouh ouh. Hop là. Attendez, je vais envoyer mon cookie. Hop voilà, j'ai mon cookie au four pour tout à l'heure. Huile. Tant qu'elle soit bien bien chaude. Et on va récupérer ça. Oignon, carotte. Je mets aussi un peu de force de cochon, quelques morceaux de poitrine fumée. Ouais, comme ça, ça évite qu'elle soit sèche. Ça donne du goût. Nous, on faisait au boulot, on faisait moite-moite, chair à saucisse, bœuf. Ah non, c'était taureau, lasagne de taureau, on faisait. On mettait moitié bœuf, moitié taureau. Bord de l'eau, Malia, j'arrive de suite. Je pose ça ici. Et merci pour l'hydratation. Ah, j'ai du vin rouge.
Mon père, il m'a donné du vin rouge. À pouvoir déglacer au vin rouge. Ça, ça va être beau. Putain, ça va être bon. On va prendre du vin en rouge. Est-ce que j'en ai pas un qui est ouvert? Je vais pas tout mettre ici. Je regarde si j'en ai un d'ouvert. Non, il n'y a que du rosé et de la bière. Petit vin rouge. Petit cours d'ouverture sur le vin. Donc vous avez votre bouteille. Toujours. Étiquette face au client. T'entends quoi par déglacer? Alors, c'est... déglacer, c'est le fait de mettre un liquide froid dans la casserole pour décoller les sucs. Vous prenez votre limonadier, tac, vous, coup de poignet, vous le mettez jusque là pour ouvrir d'un seul coup, tac, sous la capsule. Parce que c'est plus facile, vous êtes calé sous la capsule. Il y en a qui le font au-dessus, il y en a qui le font en dessous. Je trouve que c'est plus facile de le faire dessous, au moins c'est calé. Le liquide doit être froid. Alors, je ne sais pas forcément s'il doit être froid. Mais c'est, je pense que ça marche mieux. Mais je pense que froid... Il faudrait que je regarde la définition exacte de déglacer. Mais dans ma tête, moi, c'est froid. Tu peux le faire avec de l'eau, oui. Tu peux le faire totalement avec de l'eau ou avec du bouillon. C'est pas... C'est avec un liquide. C'est pas forcément du vin, c'est juste un liquide. De l'eau, du bouillon, du thé, du jus. Tac. Donc ceux qui ne boivent pas d'alcool, vous mettez pas d'alcool. Vous mettez un bouillon. Le mieux, c'est de mettre du bouillon, comme ça, ça rapporte du goût aussi. C'est un petit bouillon de bœuf, un petit bouillon de légumes. Salut Ridelu. Le dessous de la bouteille de vin, je le retire entier avec la main. Le dessous, quoi? Le dessous, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Et du coup, ça vous évite d'avoir les petits... Quand vous prenez la capsule au-dessus, des fois, c'est pas top. Ah, tu le retires à la... Ah, genre... Ah oui, je vois. Ok. Là, je vais mettre du vin rouge. Donc là, on fait colorer notre viande. Donc vous allez voir au fond, regardez, ça a créé des sucs. Ça, c'est pas brûlé, ça, c'est le goût. On va rajouter nos oignons. Les carottes aussi.